Je m'appelle Laurette, j'ai 19 ans, j'ai été diagnostiquée lupus en 2015 et j'adore les balades à cheval. J'ai eu une première poussée en août 2013 et ensuite ça s'est aggravé, je faisais de plus en plus de grosses poussées. J'ai mon visage qui gonfle, mes articulations aussi. Au moment où ils m'ont diagnostiqué le lupus, j'étais rassurée de pouvoir avoir un traitement, d'avoir des médecins à l'écoute qui allaient pouvoir m'aider à avancer avec cette maladie. Alors ça a été un soulagement bien sûr parce qu'on a enfin posé des mots sur ce que j'avais. L'entourage compte beaucoup. D'être bien entouré, c'est vraiment important, d'avoir des gens qui ne sont pas dans le jugement, sur qui on peut compter. Ils savent qu'il y a des moments plus faciles et des moments moins faciles. Ça m'a aidé à comprendre et à me dire que ça va aller, que c'est pas si grave que ça et que je vais aller de l'avant. Donc ça a aussi beaucoup rassuré ma mère. C'était important pour elle de venir. Déjà, il y a plusieurs ateliers. Il y a des ateliers enfants et des ateliers parents-enfants. On a rencontré d'autres personnes qui vivaient la même chose, donc on a pu parler. On parlait de la gravité dans le temps. Ils nous préparaient aussi à notre vie d'adulte. On a fait du yoga pour contrôler le stress, ce qui est un gros facteur dans le lupus. On a rencontré une socio-esthéticienne qui elle nous a appris à nous maquiller et à cacher nos plaques rouges. Quand j'ai été diagnostiquée lupus, j'avais 13 ans, donc j'étais en pédiatrie. Au moment de mes 18 ans, j'ai dû partir dans le service adulte. Donc à ce moment-là, ma pédiatre et mon médecin actuel se sont rencontrés et la transmission était fluide, tout s'est bien passé. On se voit en consultation tous les 6 mois où on prend bien le temps de parler de ce qui va et de ce qui ne va pas. C'est différent, mais la prise en charge reste très bien. Moi, je vis pareil que les autres. Je sors avec mes amis à la plage, en mettant de la crème solaire. Je sors en boîte de nuit, je pars en voyage. Je fais tout comme les autres, juste je m'adapte. Et je sais qu'il faut que je fasse plus attention. J'aurais envie de leur dire que même s'ils vont prendre le diagnostic pour une faiblesse, ils doivent en faire une force parce que ça les aidera à grandir, à mûrir. Ils apprendront plein de choses.